Bonjour et bienvenue à toi. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Goku Market où l'on voit beaucoup de choses, hein, que ce soit dans les groupes Telegram, sur d'autres supports, où on crie au scam parce que Goku Market ne paye plus. Bon, il va falloir relativiser quand même tout ça, hein. C'est que en fait, bon, Goku Market n'est pas forcément le plus doué pour faire de la communication. Bon, ça c'est une chose, mais il y a quand même des communications qui existent, hein. Sur le groupe Telegram officiel, il y a quand même des messages qui sont mis, même si des fois ça arrive quelques jours plus tard et du coup le vent de panique se déchaîne. Et il y a les informations en fait aussi sur la plateforme de Goku Market qui permettent de savoir ce qui est possible de faire ou pas. Donc là il y a deux blocages en ce moment, hein. Le retrait en euros par exemple vers ton compte bancaire, hein, si je vais sur le main, que je vais sur le cash, voilà, donc l'euro on peut pas retirer actuellement. Mais il y a eu une communication de Goku Market sur le sujet ici, qui est sur l'utilisateur. Notre compte bancaire en euros a été soumis à un audit avec notre partenaire bancaire Nexpet UAB depuis le 15 décembre. Donc 15 décembre, bah, c'était assez proche des congés de Noël, donc bon, ça a certainement ralenti les choses, hein. Nous n'avions pas prévu que cela prenne autant de temps et avons activement coordonné avec l'équipe Nexpet pour terminer l'examen et reprendre les opérations de dépôt et de retrait dès que possible. Voilà. Donc pour éviter cette situation à l'avenir, nous avons parlé, initié du partenariat bancaire alternatif, bon, blablabla, avec lesquels nous progressons. Ok. Donc là, c'était le 5 janvier. Donc il y a eu une communication sur le fait qu'on ne pouvait pas retirer en euros. Maintenant, ce qu'on peut également voir sur la plateforme, disons que certaines personnes rencontrent des difficultés lorsqu'elles veulent retirer leur USDT. Par exemple, pour les transférer vers Binance ou autre. Hein. Mais du coup, comme ils veulent faire du transfert USDT en TRC20 pour payer moins de frais, bah, ça passe pas. Et donc, pareil, on crie au loup, on dit ouais, on peut faire que de l'ERC20, $25 de frais, blablabla. Bon. Il y a eu un souci, si vous vous souvenez, au mois de décembre, d'affichage. Hein, il y avait des compteurs qui avaient des valeurs qui n'étaient pas correctes du tout. Il y avait des cours de transfert USDT qui n'étaient pas bons. Enfin bref, donc il y en a qui ont essayé d'en profiter, hein, qui ont essayé de faire des transferts. Donc tous ces comptes-là, bon bah du coup, ont été détectés, ont été suspendus le temps de régler le souci. Depuis, il y a une grosse maintenance de fait qui touche l'USDT et le Dogecoin. Principalement, et qui est toujours en cours en fait. Mais si on regarde sur la plateforme Goku Market et que vous allez tout en bas, ici dans la rubrique service, vous avez système statut. Ici en fait, vous avez à tout moment, puisque c'est mis à jour instantanément, je dirais, hein, au fil de l'eau, vous avez ici toutes les cryptos qui sont possibles, utilisables. Pour pouvoir faire du retrait ou du dépôt, et on vous dit dans quel statut il se trouve. Donc à chaque fois on vous dit sur quel blockchain passer, les frais, le montant des frais, le montant minimum qu'on peut retirer, le montant maximum, voilà, et si c'est enable ou disabled. Donc si on regarde par exemple le Dogecoin, bah, on voit que il n'y a pas de possibilité de retrait en Doge. Et si on va sur l'USDT, ce qui fait couler le plus d'encre, voilà, TTR-USD, bah ici on voit que le TRC20 et la BSC, et bien c'est pas possible. Donc on peut faire du retrait uniquement en ERC20. Et puis il y a visiblement des plafonds, puisque là on voit qu'on peut retirer à peu près 50 USDT maximum. Donc là, ce qui doit expliquer que tout est bloqué, puisqu'en ERC20, le retrait minimum c'est 100. Donc là, du coup, on peut partir du SDT. Mais après, bon, il y a d'autres possibilités, hein, puisque vous avez d'autres cryptos. Hein, donc, moi, je sais pas, qu'est-ce qui est... Tiens, le Litecoin, par exemple. Litecoin, ça, en frais, c'est quasiment nul. Et puis là, bah, vous pouvez retirer jusqu'à 303
Litecoin, je crois qu'ils ont environ de 130 dollars actuellement. Si je fais 303 x 103, bon voilà, ça permet de retirer 39 000 dollars. Je pense qu'il y a de la marge. Et là, il n'y a pas de souci. C'est enable. Donc, il y a des possibilités de retrait, toujours sur Goku Market. Mais effectivement, il faut passer par d'autres cryptos que l'USDT. Parce qu'aujourd'hui, l'USDT, il est off. Je crois qu'ils en ont reparlé. C'est le plus récent. Et puis sur le cours du GMC aussi, parce que tout le monde s'affole du cours du GMC qui est tombé à 20 centimes. Mais en fait, il y a un peu toute la planète crypto qui s'en remet en ce moment. On voit que le Bitcoin, il a quand même bien calé aussi. Il y a des raisons d'inflation. Il y a le pays au sud de la Russie, là, la crise qu'il y a en ce moment dans le pays, là, bah, c'est pareil, ça a un impact aussi. Donc du coup, ça fait que ça a amené une grosse correction sur le cours du GMC, et du coup, ça a amené Goku Market à rechanger les règles sur la partie unlock, les GMC qui avaient été donnés là, en cadeau pour les comptes qui étaient créés avant le 1er novembre 2021. Bon, les règles avaient évolué pour permettre à tout le monde de débloquer 100 GMC par jour à raison de 1 GMC par 100 dollars de trade. Là, c'est monté maintenant à 10 000 dollars. Donc, il faut faire 10 000 dollars de trade pour débloquer 1 GMC. Donc, autant dire que c'est plus très intéressant, hein, pour le moment. Mais ça, c'est pour éviter qu'il y ait un afflux trop important de GMC à la vente et qui continuerait de dégrader le cours. Donc là, en limitant l'apport de GMC, ça va retendre un peu la corde. Et du coup, le cours du GMC pourra remonter. Qu'est-ce qu'ils nous en disent là-dessus? Nous avons également assisté à un mouvement correctif important sur le prix du GMC au cours de la semaine. Notre premier effort pour stabiliser l'écosystème et créer une meilleure harmonie, nous avons limité la quantité de nouveaux GMC pouvant provenir du programme de déverrouillage GMC. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Dans notre prochain mouvement, pour montrer notre soutien à la communauté GMC, nous allons introduire plusieurs nouveaux utilitaires GMC supplémentaires à partir de cette semaine, tels que, donc on a vu le métaverse là qui est apparu, pour lesquels les GMC sont utilisables, puisque dans le métaverse, les packs doivent être achetés avec du GMC. Là, on nous parle d'un Launchpad 2.0 avec vote de projet. Il faudra voir ce que c'est. Et Goku Market Wallet, de nouvelles cryptos pour ajouter le vote à l'aide de GMC. Donc, il y a des nouvelles cryptos qui devraient apparaître. Solana, Cardano, Polkadot, Decentraland et bien d'autres. Voilà. Donc, on voit que la feuille de route se déroule, hein. Goku Market continue de développer ses affaires. En même temps, on peut pas avoir un système qui est de plus en plus régulé et puis se plaindre qu'il y a des blocages, puisque c'est évident que c'est comme pour toute entreprise, hein. Tout évolue, la législation évolue, les obligations évoluent, et du coup, ils sont bien obligés de se mettre à la page, et parfois, ça nécessite de bloquer certains accès ou certaines opérations pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc pour moi, il n'y a aucune crainte, hein, il n'y a pas de vente de panique à avoir sur Goku Market. Il faut continuer ce qu'on... Moi, pour ma part, je continue de prendre mes gains pour les relancer dans des nouveaux packs. Hein. Donc j'ai activé le dernier de 100 dollars le 29 décembre. Là, si je prends mon main wallet, j'ai 32 dollars, j'ai 875 GMC, donc là je vais attendre d'arriver à 50 dollars pour lancer. Là j'ai 4 dollars à transférer, donc c'est pour bientôt. Là je vais arriver à 36 dollars, donc l'aventure continue. Donc j'espère que je t'aurai amené un peu d'informations, ne serait-ce que de pouvoir consulter les statuts
des crypto-monnaies, c'est quelque chose d'important, mais tout le monde ne le sait pas, parce que c'est, voilà, c'est juste un petit lien en bas de page. Donc, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à la chaîne pour avoir la suite de l'aventure ou d'autres informations, en espérant que tu passes une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine, en fonction de quand tu écouteras cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt.